Alors, mes sœurs et mes frères, Baraklaou Fikoum, merci pour l'assistance, merci d'être là, de nous faire honneur d'être là. Bon, les frères m'ont demandé d'intervenir après l'intervention que vous venez de voir. Il y a des gens qui sont arrivés avec moi, donc ils n'ont pas vu l'intervention. Mais moi, j'ai pas vu l'intervention, mais j'ai lu le résumé de l'intervention. Et j'ai dit aux frères, qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je dise après tout ce qu'il a développé le frère Tarek? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, ma'alish. Il y a toujours des choses à tirer du Coran. Et donc j'ai fouillé un petit peu. Je n'ai pas parlé de l'approche mystique sur le cœur, l'approche de Abu Hamid al-Ghazali par exemple sur le cœur, tout ça. Il y avait des angles d'attaque, si vous voulez, des angles où on pouvait parler du cœur qui est cité dans le Coran plus de 80 fois. Donc j'ai préféré aller sur un terrain plus qui va nous parler plus, si vous voulez. C'est l'expérience d'un chercheur. Je l'appellerai comme ça, un bahis. C'est pas un alim, c'est un chercheur qui s'appelle Kahil. Qui a développé une expérience sur l'ijaz al-ilmi fi al-Qur'an, qui est les miracles scientifiques dans le Coran. Bon, il y a à apprendre à l'essayer, hein, on ne prend pas tout. Mais il a fait un truc académique. Ça veut dire qu'il a fait une recherche académique sur des expériences réelles qui sont produites sur des gens à qui on a changé les cœurs, enfin, à qui on a fait une transplantation cardiaque, tout ça. Et il a cherché aussi par rapport à certaines explications, certaines exégèses, je dirais, de le Coran. Et je vais vous transmettre ça. Donc, je le dis tout de suite, hein, c'est un peu biaisé. C'est-à-dire, je me suis basé sur ses recherches, hein, pour vous le transmettre. D'ailleurs, son écrit il est en arabe. Quand j'ai dit au frère, je le mets, voilà, c'est pas la peine, parce qu'en arabe, on ne va pas comprendre. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais lire et je vais traduire en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَأَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit pourquoi ne parcourent-ils pas la terre pour qu'ils aient, ou est-ce qu'ils n'ont pas قلوب des cœurs par lesquels ils comprennent, يَعْقِلُونَ بِهَا, c'est-à-dire, hein, ils comprennent, ou أَذَانُ, ou bien des oreilles par lesquelles ils entendent, ou bien أَعْيُنُ, des yeux par lesquels ils voient. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, c'est pas les yeux qui sont aveuglés, mais الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, ce sont les cœurs qui sont dans nos poitrines qui peuvent être aveuglés. Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Et tu ne peux faire entendre à ceux qui sont dans les tombes. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Parmi la ta'if, c'est-à-dire les subtilités dans le tafsir ici, il y a la première lecture qui veut que tu ne peux pas faire entendre les gens qui sont dans les tombes. Ça, c'est la première lecture. Tu vas au cimetière, là, genre, la personne est dans la tombe, tu ne peux pas le faire entendre. La deuxième subtilité du tafsir, il dit qu'un insan yakunu maqbouran dakhil shahwatihi. Autrement dit, la personne peut être dans sa tombe, dans la tombe de ses passions. Vous avez des personnes qui sont dans les tombes de leurs passions. Ils ne voient rien à part ses passions, ils ne voient rien par l'argent. Ils ne voient rien à part shahwat. Et donc, il est vraiment dans sa tombe. Et tu peux lui parler, tu peux lui indiquer, tu peux lui expliquer, tu peux lui expliciter, il ne comprendra pas. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِينَ مَنْ فِي الْقُبُورِ ». Le Coran, c'est, pour les sœurs, les frères qui sont avec moi en cours, le Coran, c'est un trésor. Hein. On découvre tout le temps des choses, yani, c'est jusqu'à l'éternité, on ne finira jamais d'apprendre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre ayah sur le Shuhara, il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ. Regardez bien, بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni argent, ni enfant ne pourront intercéder au vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui viendra avec un cœur sain, un cœur pur. Et c'est le cœur pur qui te donnera la félicité le jour du jugement. Pourquoi il dit pourquoi on a fait cette recherche, pourquoi on a fait هذا البحث. Premièrement,
ذكر القلب في القرآن أكثر من 100 مرة وهذا يشير إلى أهمية هذا العضو الذي سخره الله لنا. Le cœur a été cité dans le Coran plus de 100 fois. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Certes, les croyants sont ceux quand on cite, on mentionne le nom d'Allah, leur cœur frémisse. Ça veut dire que le cœur il frémit. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. N'est-il pas venu le temps pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme vérité et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre qui les ont précédés. Fatala alayhim al-amad. Ça veut dire quoi ta'ala al-amad? Ils ont pris une distance, ils ont pris un délai entre le rappel d'Allah. Vous avez vu, hein, des fois quand on s'éloigne un petit peu du rappel d'Allah. D'ailleurs, parmi vous, il y en a quand on n'a pas cours, quand on n'assiste pas à une jumu'ah, on n'a pas cours. Ou bien pendant les vacances, on sent qu'on affaiblit. Et ça, la distance, cette distance, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, vous avez vu hein, dans la vidéo, il vous dit qu'il faut entretenir le rappel. Il faut entretenir le rappel pour maintenir un cœur en éveil. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, la distance que tu laisses entre les rappels, la distance que tu laisses entre la visite des mosquées, entre les qara'at al-Qur'an, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça fait? Yaqsu qalbak. Ton cœur devient dur. Faqasat qulubuhum. Il devient dur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Bani Israël, il dit qasat qulubuhum. Elle est devenue comme une pierre. Et même les pierres, elles peuvent exploser sur l'effet de l'eau. Même les pierres peuvent exploser. Alors qu'eux, ils ont eu leur cœur qui était tellement dur parce qu'ils sont tellement éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala que rien ne peut traverser leur cœur. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de munafiqin, par exemple, ou laïka alladhina tabaa Allahu ala qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur. Et ça veut dire quoi sceller? Quand on scelle quelque chose, regardez les transporteurs, quand ils prennent une remorque, on met un scellé derrière. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien enlever. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a scellé en cœur parce que le gars il a choisi cette façon d'être, il n'y a rien qui peut rentrer. C'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala taba'a ala qulubihim. Alors, salamatuka tuqasu bimada salamati qalbik. Autrement dit, si tu es en bonne santé, comment on va mesurer si tu es en bonne santé ou pas? On va mesurer la santé de ton cœur. Si ton cœur s'arrête de bosser, c'est la fin de ta vie. Le cœur sain donnera un corps sain. Et un cœur mauvais, un cœur malade, donnera un corps malade. Autrement dit, c'est le cœur qui va définir ce qu'on appelle al-masir, c'est-à-dire la destinée de l'être humain. Donc ce qu'on va dire là, dans, tout de suite, là, ce ne sont pas seulement des informations, ce sont des informations pour la vie, pour que vous compreniez un petit peu quelque chose qu'on a découvert, mais récemment, hein, et encore, on est encore dans la recherche. Si vous discutez avec des médecins, et j'ai beaucoup d'amis médecins, ils vous disent, hein, bon, y a des choses, plus ou moins on sait comment ils fonctionnent, le foie, le rein, on sait comment... Le cerveau... Les cellules nerveuses, elles ne savent pas comment elles fonctionnent. Et quand on fait un radio du cerveau, on a quoi? On a des images avec des couleurs. Quand on fait un scanner, on a des couleurs, si vous voulez. Mais comment ils fonctionnent? Lawal. À ce jour, hein, on ne sait pas. Hein. C'est... Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ». Alors... Pendant longtemps, on a considéré que le cœur, c'est juste un muscle, ou c'est une pompe, hein, qui pompe le sang. C'est juste un muscle ou une pompe qui pompe le sang. Sauf que les 30 dernières années ont montré que le cœur, c'est pas juste un muscle. Et on va voir pourquoi. L'état psychique de la personne, l'état psychique de la personne dépend beaucoup, hein, surtout pour les gens qui ont été transplantés, leur état psychique change. Les gens qui étaient transplantés, on a fait un travail sur eux, et qu'est-ce qui a changé? Et bien leur état psychique change, carrément. Et on va voir des exemples. يخلق القلب قبل الدماغ في الجنين ويبدأ بالنبض منذ تشكله وحتى الموت. Le cœur se crée et crée dans l'être humain avant le cerveau.
Et dès la création du cœur, les battements commencent. Les battements commencent, ils ne vont pas s'arrêter, c'est normal, ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à la fin de vie de la personne. Au bout de 21 jours de grossesse, le cœur commence à bosser et il va commencer à pomper le sang. Pomper le sang dans les différentes sortes, les différentes parties du corps. Et quand le cœur prend sa forme définitive, par jour, imaginez, hein, par jour, le cœur pompe quelque chose comme 70 000 litres de sang. Par jour. 70 000 litres de sang. Et à chaque fois, donc, quand il y a ce mouvement hein, de battement, le cœur pompe quelque chose comme 70 000 litres de... Donc, 100 000 battements par jour. C'est simple, vous mesurez, la moyenne, c'est 70 battements par minute. C'est ça, hein? 70 battements par minute fois 60, fois 24. Vous arrivez à peu près à 100 000 battements par jour. Et quand tu auras 70 ans, ton cœur aura pompé, écoutez bien, 1 million de barils de sang pendant toute cette période. 1 million de barils de sang durant toute cette période. Subhanallah khalik. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wafi anfusikum ». Regardez comment vous fonctionnez, vous allez comprendre qui c'est le khalik, qui c'est le créateur. Le cœur contient des cellules nerveuses très complexes. Le cœur... il donne des hormones qui justifient l'organisation du travail dans le corps. Le cœur se rappelle, le cœur ressent les choses. Le cœur est le gestionnaire de nos émotions. À chaque fois que le cœur bat, qu'est-ce qu'il fait ? Il transfère tous ces éléments-là à chaque organe de notre organisme. Il transfère des messages, transfère des messages à tout l'organisme. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, quand on a une émotion forte, le cœur commence à battre très fort, et puis tout le corps va suivre. Vous avez des sueurs, vous avez des sueurs froides, vous tremblez, vous... voilà. Donc le cœur ressent tout ça. On est en train de parler là d'une manière scientifique, hein, pour l'instant. « Al-qalb yufakir wa ya'qil » Aujourd'hui, on a compris que le cœur réfléchit et raisonne. Certains savants aujourd'hui, certains scientifiques pensent que c'est le cœur qui donne les ordres au cerveau. Ils ne sont pas encore sûrs, mais certains savants disent que c'est le cœur qui donne les informations au cerveau. Plutôt, chaque cellule du cœur a une mémoire. Chaque cellule du cœur a une mémoire. Le docteur Schwartz dit « notre histoire personnelle est écrite dans chaque cellule de notre corps. » Et beaucoup de savants disent que les cellules du cœur, les cellules du cœur emmagasinent toutes ces informations. Ce que je suis en train de vous dire, à la fin de cette recherche, vous avez les références. Je vous ai dit, c'est une recherche académique, c'est un travail académique. Donc vous avez les références de tous les médecins qui ont dit ça, ou tous les chercheurs qui ont trouvé ces éléments-là, ou qui disent ces éléments-là. Si vous les voulez, je vous les donne, il n'y a aucun problème. Ok ? Ça serait bien qu'on le traduise, hein, parce que je vous ai dit le PowerPoint est en arabe, ça serait bien qu'on le traduise et qu'on vous le donne aussi. Le cœur dispense de l'oxygène à toutes les cellules du corps. Les cellules prennent l'oxygène, le brûlent, pour faire des aliments. Et qu'est-ce qu'elles rejettent ? Elles rejettent le CO2. Et tout ce qui n'est pas bon pour l'organisme. Tout ce qui n'est pas bon par l'organisme repasse par le cœur pour que les poumons le ressortent en CO2. Et donc le cœur permet de purifier, si vous voulez, le sang. Ok. Nous avons un réseau de vaisseaux et de veines dans notre corps que si on les met bout à bout, ok, si on les met bout à bout, si on prend les vaisseaux et les veines, voilà. Parce que vous connaissez la différence. Il y en a qui ont fait médecine, il y en a qui ont fait biologie. C'est quoi la différence?
Entre un vaisseau et une veine. Entre une artère et une veine. Entre une artère et une veine. Oui, une artère et une veine. Merci, Lucien. C'est quoi la différence? C'est vrai. Il y en a une qui amène et l'autre qui ramène. C'est tout. Ouais, voilà. C'est tout. Il y en a une qui amène le sang et l'autre qui ramène le sang vers le cœur. C'est tout. C'est une qui monte et l'autre qui descend. C'est tout. Okay. Entre une artère et une veine. Si on les met bout à bout, on a à peu près, on arrive à une distance de 100 000 km. Pour que vous imaginiez les frères et les sœurs, enfin les sœurs et les frères, ce que Allah a créé en nous. La relation entre Al-Qalb, le cœur, et Dimar, et la tête, et le cerveau. Depuis 30 ans apparemment, les scientifiques commencent à trouver une relation entre le cœur et le cerveau. Ils ont compris aussi, ils ont trouvé que le cœur commence à comprendre, ou bien le cœur comprend les éléments autour de nous et l'environnement dans lequel nous vivons. Cette relation, on la constate, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand la fonction du cœur commence à s'accélérer, par exemple, ou commence à diminuer. Quand la fonction du cœur commence à s'accélérer, c'est parce que, justement, nous avons reçu un message extérieur, un message de notre événement qui va faire réagir le cœur et donc, du coup, va faire réagir tout le corps. Mais est-ce que c'est le cerveau qui agit sur le cœur ou est-ce que c'est le cœur qui agit sur le cerveau? Nidam al-Asabi lil-Qalb, Nidam al-Asabi, c'est l'ordre, l'organisation de comment dire, l'Asabi, c'est nerveuse, voilà, l'organisation du système nerveux du cœur. Un médecin américain qui s'appelle Armour qui dit le cœur a une fonction spécifique d'analyser les informations qui arrivent à lui. De différentes sortes de, qui arrivent à lui de différents endroits du corps. C'est pour ça la transplantation cardiaque consiste exactement à faire fonctionner ce système nerveux du cœur. Si le système nerveux du cœur fonctionne bien, la transplantation va marcher. Si le système nerveux du cœur ne fonctionne pas bien, la transplantation ne va pas marcher. Le docteur Gary Schwartz, il dit que le cœur, il a une mémoire. Une mémoire qui emmagasine les informations du corps. Et une mémoire qui emmagasine aussi les émotions du corps. Autrement dit, vous avez vu que des fois vous passez par, un restaurant où vous sentez des odeurs. Ces odeurs vont vous rappeler votre enfance. Qui c'est qui a emmagasiné ces informations? Tout le monde en pensait toujours que c'était le cerveau. Ouais. Aujourd'hui, on vous dit, le cœur aussi, il a une mémoire. C'est-à-dire que le cœur emmagasine aussi des informations. On a étudié plus de 300 cas de transplantation cardiaque et on a remarqué qu'à chaque fois qu'on faisait une transplantation, cardiaque, il y avait une transformation psychique chez l'individu. Alors là, une expérience... C'est justement le docteur Gary Schwartz qui parle dans sa recherche et qui dit « Nous avons transplanté, il y a une femme qui a eu un bébé. Et au bout de quelques temps, ce bébé est décédé. Donc on lui a enlevé son cœur et on l'a transplanté chez un bébé qui était malade. Et bien le bébé malade, elle disait, la dame, elle disait « Je ressentais les mêmes émotions quand je prenais le bébé malade à qui on a transplanté l'enfant, à qui on a transplanté le cœur. » Que ce que je ressentais vis-à-vis de mon fils, que ce que je ressentais de vis-à-vis de celui que j'ai enfanté, mais vraiment les mêmes émotions. Et j'ai l'impression que mon fils est toujours vivant. Et quand je m'approche de ce bébé, et qui porte le cœur de mon bébé, je sens que les battements de son cœur, et quand il me prend dans ses bras, je sens vraiment que c'est mon fils qui m'a pris dans ses bras. Subhanallah al-Azim. Et ce fils, cet enfant-là, il a, si vous voulez, il s'est accaparé toute la gestuelle de son fils à elle. Alors, on a dit que certains transplantés cardiaques, ils avaient des ressentiments différents par rapport à ce qu'ils ressentaient auparavant. Et d'autres, ils ont des sentiments qui ont complètement changé par rapport à ce qu'ils ressentaient auparavant. Exemple, quelqu'un qui n'aimait pas du tout la musique et que, quand on lui a transplanté le cœur, de quelqu'un qui aimait la musique, et bien, il est redevenu amoureux de la musique.
Les médecins n'arrivent pas à expliquer ce comportement. Ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi la personne change complètement. Il y a un début d'explication qui est justement que le cœur, il emmagasine toutes les informations du cœur et toutes les informations émotives du corps, pardon, toutes les informations émotives que la personne ressentait auparavant. Et que là, ben on arrive à peut-être expliquer certaines choses. La moyenne des battements du cœur dépend bien sûr des émotions de la personne. Chaque cellule nerveuse, le docteur Gary Schwartz il dit, chaque cellule nerveuse du cœur possède une usine complexe à l'intérieur et qu'ils n'arrivent pas à étudier comme il faut. Et dans le cœur, nous avons retrouvé quelque chose comme 40 000 cellules nerveuses qui jouent un rôle très important justement dans la gestion de ces émotions. Et 40 000 cellules nerveuses dans le cœur et qui gèrent aussi les battements du cœur, les sécrétions d'hormones, l'emmagasinage des informations et l'envoi de ces informations, de ces RSAL, à travers le corps. Donc les cellules nerveuses qui sont sur le cœur, gèrent tout ça et envoient ces émotions-là à tout le corps. D'où ce qu'on disait tout à l'heure, la différence comportementale des personnes transplantées. J'ai raconté hier, quand on a parlé de la personne, qu'est-ce qui a attiré les médecins vers ça, vers ces études-là. Dans les années 80, il y a eu un assassinat à New York. Mais cette personne qui a été assassinée, c'était un jeune homme qui a été assassiné. Donc la police est venue et les pompiers sont venus, on l'a amené à l'hôpital et puis il est décédé à l'hôpital. On lui a enlevé son cœur, on l'a mis dans un liquide spécial et on l'a transplanté chez une femme en Californie. C'est-à-dire à l'autre bout des États-Unis. Et bien cette femme, elle avait des angoisses parce qu'elle voyait toujours une personne qui essayait de la tuer. Elle le voyait, enfin, elle ressentait une personne qui essayait de l'assassiner. Donc elle en a parlé à son médecin, elle en a parlé à la police, elle en a parlé à son psychologue, elle en a parlé à la police. Elle a fini par décrire cette personne qui l'angoissait. Et la police, avec sa description, ont mis la main sur l'assassin du gamin, l'assassin de celui qui a tué en premier. Ouais, subhanallah. Autrement dit, la personne à qui on a enlevé le cœur a transmis, enfin son cœur a transmis toutes les informations qu'il avait. On a fait une expérience de quelqu'un qui était très croyant, qui était très ouvert, qui donnait beaucoup de sadaqa. On lui a transplanté le cœur de quelqu'un qui était athée. Il veut devenir athée. Ajib, hein? Enfin, le contraire, comme a dit une sœur hier. Qui c'est qui a dit ça? C'est Fatiha, je crois. Non. Oui, c'est Fatiha qui a dit. Il a dit qu'il faut prendre les cœurs des musulmans et les transplanter dans les cœurs des non-musulmans. Chakratul qalb. Chakratul qalb. Il y a le docteur. Alors, Paul Persal, il dit, après maintes et maintes expériences, des essais cliniques que nous avons faits, on a compris que le cœur. Yahussu, Yahshur, Yahtadakar, Yursil, Dabdabet. Yahussu, il ressent. Yahshur. Il ressent plus fortement, si vous voulez. L'ihsas, c'est délicatement. Yash'ur, il ressent plus fortement. Ok, il a des émotions. Yatadakar, il se souvient. Wayursil, il envoie. Il envoie dabdabat. Il envoie des... comment dire, des signaux, ou des ondes, ouais. Tumakkinuhu min al-tafahum ma'a al-qulub al-ukhra. Écoutez bien. Qui lui permettent de comprendre les autres cœurs. Autrement dit, là, vous êtes là. Je suis là. Absolument. Quand vous avez en face une personne en face, le cœur, mon cœur va donner des signaux par rapport au cœur de la personne qui est en face. Et il y a des sentiments qui sont ressentis. Des fois, vous êtes en face d'une personne, vous avez envie de la frapper. Ou là, il a envie de vous frapper. Il y a quelque chose qui se passe entre vous. Et des fois, vous avez une personne en face de vous, vous êtes très apaisé. Parce qu'il vous dégage cet apaisement. Nous, on le sait en tant que musulmans, vous voyez, peut-être qu'on ne peut pas l'expliquer scientifiquement, mais on le sait parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle sur le Coran. Et nous, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a descendu le Coran, c'est une vérité ce qu'il nous dit. Donc maintenant, on arrive à des expériences cliniques par lesquelles on essaie d'expliquer certaines choses. Vous voyez ? Et ces expériences cliniques, ils nous disent que le cœur, hein, quand on est en face de quelqu'un, il y a nos cœurs qui communiquent. Subhanallah.
Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'amour, le magasin de l'amour, c'est quoi? C'est le cœur. Le cœur, il permet d'organiser. Le mana'a, c'est. L'immunité, le système immunitaire. Contient des informations qu'il envoie à tous les coins du corps. Certains savants, certains chercheurs se demandent est-il possible que notre mémoire soit enfouie dans notre cœur? On cherche. Le médecin, enfin Paul Persal, qui a fait cette recherche, il dit quand tu ressens quelque chose d'une manière fortuite, comme ça. Tu ressens quelque chose. Tu es content, ou tu es triste, tu reçois une triste nouvelle, ou une bonne nouvelle. Sans que tu le ressentes, sans que tu sentes, sans que tu t'en aperçoives, tu mets ta main sur le cœur. Sans que tu t'en aperçoives, tu mets ta main sur le cœur. Est-ce que ça veut dire que le cœur, justement, qui a donné ces signaux-là, pour que toi, tu puisses être content ou pas content, ou gay, ou voilà, heureux. Donc, je vous dis, on recherche. Al-Majal Karaba il-Qalb, c'est-à-dire le domaine électrique, le domaine électromagnétique du cœur. Parmi les recherches bizarres qu'on a retrouvées, dans le domaine, donc il y a un institut qui s'appelle l'Institut des mathématiques du cœur, en Arizona, ils ont trouvé que le domaine électromagnétique du cœur est très 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 fort, et puis il agit sur les gens autour de nous. Autrement dit, l'être humain, écoutez bien, subhanallah, l'être humain, il peut communiquer avec quelqu'un d'autre à travers son cœur seulement, sans qu'il parle. Ils ont remarqué aussi que les battements du cœur agissent sur les ondes qui met mon cerveau. Les ondes alpha. À chaque fois que les battements du cœur s'accentuent, les ondes alpha se multiplient. Je dis c'est une recherche scientifique. Vous allez me dire ouais. Al-qalbu yu'athir 'ala qulub al-akharin. Le cœur agit sur le cœur des autres, ou bien peut avoir sur le cœur des autres. L'Institut des mathématiques, les mathématiques du cœur, je vous ai dit, qui est en Arizona, il a fait des études sur le cœur justement. Que le cœur émet, il nous dit que le cœur émet, taraddudat, il y a des signaux électromagnétiques qui agissent sur la tête et qui agissent aussi sur le fonctionnement de la prise de décision de la tête. Et du coup, c'est le cœur, et c'est par le cœur qu'on comprend, c'est par le cœur que la personne comprend et que la personne assimile. C'est la première fois que on est toujours resté sur les capacités du cerveau. On est toujours resté sur les capacités du cerveau, que le cœur, bien sûr, il transfère le sang, il joue le rôle d'une pompe. C'est la première fois où on nous dit que finalement c'est le cœur qui réfléchit, c'est le cœur qui transfère les émotions, c'est le cœur, les émotions peut-être, mais que le cœur il emmagasine les informations, c'est des choses nouvelles. On a prouvé à travers des études que la compréhension, quand on essaie de comprendre quelque chose, on mesurait l'activité du cœur. Plus l'activité du cœur était forte, plus la compréhension était facile. Et moins l'activité du cœur était forte, plus la compréhension était moins importante. Parmi les résultats qu'on a trouvés dans l'Institut de mathématiques du cœur, que les battements de ton cœur, quand tu te rapproches de quelqu'un qui est proche de toi, quand tu te rapproches de lui, ou tu le touches, ou tu discutes avec lui, ce qui se passe, les changements qui se passent dans ton cœur, vont agir indirectement ou directement
sur la fonction de sa tête, la fonction de son cerveau. Autrement dit, ton cœur, il agit sur le cerveau de ton interlocuteur ou de la personne qui est en face de toi. Celui qui est en face de toi. Le domaine, Majel Kahrabaïl al-Qalb, Kawi, Akwa, Khamsin, Miat Marra, Minad Dimar. Le domaine électromagnétique du cœur est plus fort, entre 50 et 100 fois plus fort que le domaine électromagnétique du cerveau. ويؤكد الباحثون أن القلب يتأثر ببعض الكلمات ذات المعنى المريح ويتغير معدل النبض ويتغير المجال الكهربائي للقلب ويؤثر على الناس القريبين منه. Le cœur ressent ou bien agit quand il reçoit des paroles douces. Il est très touché quand il reçoit des paroles douces. En fait, on a calculé, hein, c'est des calculs, hein, c'est-à-dire qu'on a branché des électrodes et on a regardé, on a parlé à la personne en lui disant des choses méchantes ou en lui disant des choses apaisantes et on a calculé les ondes émises par son cœur et on a calculé tout ça. Et on a remarqué que quand on disait des choses apaisantes à la personne, subhanallah, on a remarqué, il y a une étude aussi en Norvège, il en parle, hein, il disait que on a remarqué que dans certains hôpitaux où les gens étaient malades du cœur, on leur faisait écouter de la musique. Et on a remarqué qu'avec la musique qu'on leur faisait écouter, leur cœur s'apaisait. Et il dit, hein, dans ça, il dit, c'est à nous les musulmans de leur montrer aussi que le cœur s'apaise par le Coran. Et quand est-ce quelqu'un de nous, de chez nous, fera une étude là-dessus ? C'est-à-dire que ces médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des malades, et ils ont montré, ils ont utilisé, ou là, ils ont mesuré leur réactivité, la réaction de leur cœur, par rapport à quand on leur a fait écouter la musique. Et pourquoi nous, les médecins musulmans, on ne fait pas cette expérience ? C'est-à-dire qu'on fait écouter le Coran à des gens, et on montre comment le cœur s'apaise à l'écoute du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit. « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » Donc le cœur... On a dit tout à l'heure en début, on a dit le cœur yaqsou, il devient dur. Le cœur, le cœur s'apaise. On a dit que le cœur yaoujen, le cœur, il a cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le cœur, il peut être sain, il peut être rempli, comme il peut être vide. Et il ne peut se remplir que s'il est vidé. Ça veut dire quoi ? Vous avez écouté la vidéo tout à l'heure, vous avez regardé la vidéo tout à l'heure. Quand vous prenez une bouteille, que vous la mettez en mer, vous essayez de rentrer de l'eau, de faire remplir la bouteille d'eau. Qu'est-ce que vous entendez ? Poc, 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 c'est ça, hein ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? Non, c'est pas l'impression. C'est le bulles d'air. Donc la bouteille, elle est pleine d'air. Et donc il faut que l'air sorte, il faut que l'air sorte pour que l'eau rentre. Absolument. Ton cœur, c'est la même chose. Ton cœur, il faut le vider si tu veux remplir des choses intéressantes dedans. Donc si une personne, elle aime certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il faut vider son cœur de ça. Okay ? Et généralement, ce qu'il y a sur le cœur, qu'est-ce qu'il fait Shaitan quand il jette sur le cœur ? Il jette quoi ? On avait dit, hein, si vous vous souvenez, quand on a parlé de jihad Shaitan, on a dit Shaitan, il a deux. Shaitan, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'attaque par quoi ? Vous vous souvenez, non ? Shubuhat ou Shahawat. Très bien. Shubuhat ou Shahawat. Shubuhat, c'est les doutes, les ambiguïtés, les doutes. Et Shahawat, c'est quoi ? C'est les passions. Et Shubuhat, comment on combat Shubuhat ? Si vous vous souvenez ? Par l'ilm, barakallahu fik. On combat Shubuhat par les doutes et les ambiguïtés. Quand les gens ils vous mettent les doutes dans ce que vous croyez, il faut apprendre. Apprendre, justement, c'est s'asseoir, essayer de comprendre le Coran. Et le problème, c'est ça. C'est qu'on n'a pas ces moments avec le Coran. Vous avez remarqué, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? والذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته يتلو c'est-à-dire يتلو il récite يعني il récite le Coran tout le temps même si toi tu vois pas la différence tu verras la différence sur ton cœur au bout d'un certain temps يتلو pour ceux qui habitent Marseille moi je prends souvent le métro quand vous prenez le métro vous avez 1, 2, 3, 4, 5 piles de journaux gratuits. Gratuit. Li, ma'ali, chakra. Toi, tu penses que, allez, je vais prendre un journal et je suis assis dans mon métro, j'ai passé le temps. 10 minutes de métro, 12 minutes de métro, je vais passer le temps. Ils sont en train de formater ton cerveau, de formater ton cœur.
Les informations qui sont dedans, tous pareils. Pensée unique. Ils parlent tous de la même chose. Le Web la veille, Daesh, tous la même chose. Fillon, voilà. Tout le temps les mêmes informations. Okay ? Ils sont en train de te formater sans que tu le saches. Et pendant que tu lis ça, Metro News, Marseille Plus, je sais pas quoi, enfin, pendant que tu lis ça, tu lis pas autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit quoi ? Utlou. Lis le Coran. Lis-le. Parce que quand tu lis le Coran, à force de lire le Coran, tu vas t'imprégner de Kalamullah. Et quand tu es dans le brouillard, tu as un minhaj. Tu as un minhaj qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. C'est quoi le minhaj ? C'est le Coran. Quand on a fait, souvenez-vous, pareil, on dit Ar-Rahman, Alam al-Quran, Khalaq al-Insan. La logique voudrait que Ar-Rahman, le miséricordieux, Khalaq al-Insan, Alam al-Quran. Ben non. Non. Ar-Rahman, ça n'a aucun sens. Ramène vous dit, ça n'a aucun sens que l'homme vienne sur terre s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de code. Et le Coran, c'est lui qui a codifié la vie sur terre. Et qu'on le veuille ou non, on peut se soustraire à ça. La vérité est que le code civil qui nous gère aujourd'hui en France, il est à 90% extrême dans la charia, il est extrême dans le Coran. Qu'on le veuille ou non, il y a des études universitaires qui le prouvent. Et on est en train de préparer une compilation là-dessus, parce que quand les gens, les professeurs de droit, vous leur dites ça, ils disent « Oh, c'est pas vrai !» Si, c'est vrai, tu mens. Et on est en train de préparer une compilation et on va vous la donner, Inch'Allah, sur ça. 90% du code civil français, d'autrement dit les lois qui nous gouvernent aujourd'hui, on les a extrémées dans le Coran. Qui c'est qui nous a montré comment gérer notre vie ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Utlou, utlou ma uhiya ilayka min al-kitab ». C'est très important, rien que la récitation. Et cette récitation, c'est elle qui t'élève. Allah subhanahu wa ta'ala fait surat al-A'raf, surat al-Anfal. Je crois qu'il l'a cité à Ramadan tout à l'heure. Il dit « Ya ayyuha alladhina amanu, stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahoulu bayna al-mar'i wa qalbi. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu, ou vous qui avez cru, stajibu. » Alors, le mot stajibu, mais c'est ajibu, stajibu. Regardez bien. On rajoute « sin » l'ijaba. On rajoute « sin » à la réponse. « Ajibu » يعني « répondez ». « Stajibu » non. La différence, elle est où ? Quand on parle du pétrole, on ne dit pas « Nukhrijul pétrole ». On dit « Istikhraj pétrole ». Extraire. Mais pourquoi « Istikhraj » ? Pourquoi on appelle pas « Ikhraj » on dit « Istikhraj ». On va chercher. Non, on sait où il est. Non, on sait où il est et on va le sortir. Allah subhanahu wa ta'ala te dit astajibu, autrement dit, il sait, Allah, auparavant il sait que tu vas répondre. C'est pour ça qu'il te dit astajibu. Il sait ce que tu as dans ton cœur. Vous voyez ? Il sait, Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous avons dans notre cœur, c'est pour ça qu'il te dit astajibu. Ida da'akum lima yuhyikum. C'est quoi le hay ? Le hayat. C'est quoi le haya ? Le haya en arabe, haya, c'est le rabi', c'est le printemps. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il y a l'appel d'Allah et que tu réponds, tu vas avoir une vie. Alors, le hayat ou l'aish, en arabe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui fait du bien, une bonne œuvre, que ce soit une femme ou un homme, et il est croyant, nous allons lui donner une bonne vie. Et dans une autre ayah sur Taha, il dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Et celui qui se détourne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ma'isha. Ma'isha, regardez. Ma'isha dhanka, une vie dure, pleine de dureté, sinueuse. C'est une vie, excusez-moi, mais bon, un jour il y a un vrai qui me dit pourquoi tu ne viens pas vivre à Paris ? Je dis mais c'est pas une vie que vous avez à Paris. Vous avez une maïcha. Vous avez une maïcha dhanka. Là, quand même, toute la journée tu cours. Mais nous avons tous aussi, regardez aujourd'hui, on passe notre vie à courir. Maïcha dhanka, c'est une vie dure. Ça finit jamais. Tu rentres à la maison, facture sur facture, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Le salaire ne suffit pas, tu cours, tu cours, tu cours. C'est quoi ? C'est une vie ? Maïcha. Vous savez ce que ça veut dire maïcha ? Le hayawan yaish. Al-ma'isha, c'est quelqu'un qui mange, qui boit
et qui se reproduit. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des gens de l'enfer, il dit Ya'ishuna fiha. Il parle Ya'ishuna fiha. Voilà Yamutun, ils mourront pas. Mais Ya'ishuna fi jahannam. Pourquoi? Parce qu'ils mangent. Ils mangent n'importe quoi. Enfin, ce qu'ils mangent, ils boivent. Mais Ya'ishun, al-hayat, c'est avoir un sens. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, lima da'akum lima yuhyikum. Al-hayat sur terre, un être humain, il ne peut pas yahya sans l'esprit divin. L'esprit divin, c'est quoi? C'est le souffle divin qui est en nous. C'est quoi? C'est ruh. Ruh fil Qur'an. Il y a trois choses qui s'appellent ruh fil Qur'an. Trois choses. La première chose, ruh, c'est ce souffle que nous avons en nous et qui nous permet de vivre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'enlève, la vie est finie. Mais si Allah nous ruh, qu'on est ruh min amal Rabbi. Deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle ruh, le Qur'an. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Nous t'avons révélé un esprit de notre part. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Tu ne savais pas ce que c'était le livre, ni la foi, ni la croyance. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. Nous avons fait de ce Qur'an une lumière. Une lumière. تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء. Une lumière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est guide. Quand cette lumière elle rentre dans ton cœur, elle va rejaillir sur les autres, elle va rejaillir sur ton environnement. Et de toute façon, vous avez vu, on a dit que le cœur, il agit sur les émotions, et le cœur, à travers le cœur, ce que tu as dans ton cœur. Généralement, quand vous entendez, ouais, je ne vais pas faire de pub, mais quand vous entendez un discours haineux, qu'est-ce qui parle? C'est la langue. Mais qu'est-ce qui sort? Ce qu'il y a là. Les émotions qu'il y a là. Le discours haineux, il fait sortir ce que la personne, elle ressent, réellement. Et c'est pour ça que quand le discours il sort quand le discours il sort du cœur, il atteint les cœurs. Mais quand le discours il sort de la bouche, il ne dépasse pas le seuil des oreilles. Hein. Ok. Il raconte une histoire. Il dit une femme s'est mariée avec un jeune homme. Et après quelques années de leur mariage, à cause de son athéisme, il voulait disparaître. Il voulait se suicider. Il a acheté un pistolet et s'est suicidé. Son cœur, on lui a enlevé son cœur. On l'a transplanté à quelqu'un d'autre. Ok. Cette personne, ce que je vous disais tout à l'heure, cette personne qui était croyante et qui faisait du bien, on lui a transplanté ce cœur. Cette personne est devenue athée, et non seulement est devenue athée, mais il a cherché, enfin il a trouvé la femme qui était mariée avec ce gars, et il s'est marié avec elle. Et il a fini par se suicider. Allahu Akbar. Et rien que par ça, vous comprenez maintenant. Subhanallah, regardez, vous comprenez maintenant pourquoi les savants musulmans prennent beaucoup de gants quand on parle de transplantation cardiaque. Et ils vous disent qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas transplanter. Les organes de reproduction, le cœur, ils vous disent ça, on ne peut pas le transplanter. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, cette recherche, on vous dit que le cœur, c'est le magasin des émotions, mais il y a aussi les poumons qui ont aussi cette faculté d'emmagasiner les émotions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إِنَّمَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ الَّتِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. عجيب. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il connaît خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, c'est-à-dire le regard fuyant, le regard que tu jettes comme ça, que personne ne t'a vu, mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu. Voilà, le regard furtif, barakallahu fik, que tu as jeté comme ça d'une manière volée, Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, ce que cache votre poitrine. Autrement dit, ce qu'on cache dans notre poitrine, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, il sait. Pareil, regardez, si j'enlève l'électricité, si j'enlève la batterie, mon ordinateur il va s'éteindre, mais les fichiers sont là. Si vous remettez du jus, vous allez avoir accès à mes fichiers. Si vous remettez du jus, le cœur c'est pareil. Il va emmagasiner ces émotions-là. Si vous le mettez à quelqu'un d'autre, vous lui mettez du jus, et bien il va ressortir ce qu'il a ressenti, tout ce qu'il a ressenti, cette personne. Al-Qur'an al-Karim, je vais essayer de faire vite. Al-Qur'an al-Karim, il nous dit que le cœur, c'est le moyen de réflexion. La vue, l'œil, c'est le moyen de vue, l'ibsar. Et que l'oreille, c'est le moyen pour écouter et entendre. Nous avons réservé à Jahannam,
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nous avons réservé à Jahannam beaucoup de djinns et de gens. Ils ont des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux par lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles par lesquelles ils n'entendent pas. Quand vous prenez le Coran, vous lisez le Coran, il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais il y a des choses que vous comprenez. Et il y a des choses qui vous, qui vous mettent dans une telle émotion. Vous dites, subhanallah, j'avais jamais vu ça, et subhanallah, cette profondeur, et cette... Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis une lumière dans votre cœur par laquelle vous avez vu certaines subtilités du Coran. Quelqu'un qui n'a pas cette lumière, il ne la voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons mis sur leur corps, sur leur cœur, pardon, un voile. Ils ne le comprendront pas. Ajib. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons mis sur leur cœur un voile. Il peut lire le Coran 1000 fois, il ne le comprendra pas. Et d'ailleurs, vous discutez avec un non-musulman qui lit le Coran, pas pour comprendre, qui lit le Coran juste pour vous, vous dire que votre Coran, c'est plein de répétitions, et c'est... Vous savez ce que c'est, abscon, un terme abscon. Abscon, ça veut dire incompréhensible, vague, lourd, voilà, ça c'est ce que ça veut dire. Il vous dit, votre Coran, c'est vraiment difficile, on ne comprend rien. Et vous, quand vous le lisez, vous n'avez pas le même sentiment. Vous avez un sentiment, des fois vous découvrez dans une ayah une lumière, vous dites subhanallah, combien de fois je suis passé par là, et je ne l'ai jamais vu. Et pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ouvert une lumière dans votre cœur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre dans votre cœur ? Allah, il t'ouvre parce qu'il connaît ta sincérité. Plus tu es sincère, plus Allah subhanahu wa ta'ala te donne une ouverture. Si demain, Inch'Allah, dit Amin, on sera au paradis, vous ne serez pas au paradis parce que vous avez fait tellement d'actions, parce que vous avez jeûné, vous avez fait salat, qiyam al-layl et tout. Vous serez au paradis par la miséricorde de Dieu. Et Allah, il te fait rentrer au paradis. Pourquoi ? Lima sadaqta, lima akhlasta min amalik. Par la sincérité de tes actes. Plus tu es sincère, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te donner. Si tu n'es pas sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, je te laisse avec la personne ou pour celui que tu fais ça. Ana aghna al-aghniya 'an al-shariq. Shirk, c'est quoi ? C'est que tu remercies quelqu'un d'autre. C'est que ta source soit quelqu'un d'autre. Le médecin, on parle des médecins là. Le médecin, ils te mettent à notre cœur. Ils essaient de transplanter à notre cœur. Le médecin, c'est un moyen. Celui qui descend la guérison, c'est qui ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le médecin qui descend la guérison. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala décide de ne pas descendre la guérison, elle ne descendra pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur surat al-A'raf, il dit « وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre à l'épreuve ce que vous cachez dans votre poitrine, mais surtout c'est-à-dire qu'il va sortir, ce que vous cachez dans votre cœur. Et on vient de voir que le cœur emmagasine, il a une mémoire et qu'il emmagasine les émotions. Ah, ok. Écoutez ça, c'est une dernière, après je vous donne les conclusions et on finit là. Les études ont prouvé que quand une personne ment, vous savez ce que c'est le détecteur de mensonges, quand une personne ment, qu'est-ce qui agit sur, pour qu'il mente ? Le centre de décision qu'il va le faire mentir, c'est quoi ? C'est le toupé, c'est ça. Nasiya. Hein ? Sur le tiqra, nasiyatin kadibatin khatia. Nasiyatin kadiba khatia. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand tu mens, quand la personne elle ment, qu'est-ce qui donne les ordres ? C'est le toupé, là. C'est pas le cœur. Subhanallah, regardez, hein. Cette partie-là du cerveau, elle agit mais d'une manière très 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 accélérée quand la personne ment. Et donc il y a des gens, subhanallah, il y a des gens qui ont une façon de mentir, ils te mentent avec un aplomb déconcertant. Regardez Sarkozy. Incroyable. Il ment, mais alors, les hommes politiques. Ce matin, en cours,
on a découvert une ayah, enfin, on a étudié une ayah qui s'appelle, enfin, où le shaitan est dit, shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit une situation, fait yom al-qiyam, fait jahannam. Quand on amène tout le monde à jahannam, shaitan est dit, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان va dire le jour du jugement, certes Dieu vous a promis des choses et je vous ai promis des choses, ok, et je vous ai promis des choses mais je ne les ai pas tenues et je n'avais aucun pouvoir sur vous sauf que je vous ai appelé, vous avez suivi. Alors, ne m'en voulez pas, vous en voulez à vous-même. C'est ce que dit Shaitan Yom Al-Qiyama. Donc, d'abord, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il te met ni le couteau là, ni il t'arrache par les cheveux, il te dit viens. Non, il ne te fait pas ça. Shaitan, il te susurre. Et toi, tu suis. La personne, elle suit. Ok? Ça, c'est la première. Ça, c'est la première lecture. Donc, Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a laissé un libre arbitre, il t'a laissé décisionnaire de tes. Ok? Mais surtout, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Shaitan il dit, je vous ai promis, mais je n'ai pas tenu. Et qu'est-ce qu'il en politique qui a dit, les promesses ne... C'est Chirac qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les promesses ne... n'engagent que ceux qui y croient. Donc ça vous dit quoi? Que tous les hommes politiques qui vous font des promesses, c'est des chayatés. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Celui qui donne une promesse qui ne la tient pas, Shaitan, comme il a fait, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit. Ces hommes politiques qui nous mentent à longueur de journée et qui disent que l'islam c'est le problème de la France. Vous savez que Fillon il a écrit un bouquin qui dit que l'islamisme ou l'islam c'est le problème de la France. Et il dit dans son discours, un casseur, il faut l'appeler un casseur, c'est pas un révolté. Et quelqu'un qui détourne les biens publics, c'est un voleur. Il faut appeler un chat, ok? Quelqu'un qui détourne les biens publics, c'est un voleur. Faut appeler. C'est un escroc, c'est un voleur. Okay, il faut appeler un chat, comme les petits qui jettent, et c'est vrai, un casseur est un casseur, celui qui vole, c'est un voleur aussi. Donc ne nous donne pas de leçons, s'il te plaît. وَهَكَذَا إِنَّ الْإِنسَانِ عِدَمَا يَكْذِبْ بِلِسَانِهِ. Quand il parle, la personne, quand elle ment, et elle agit avec sa langue, فَإِنَّهُ يَقُولُ عَكْسَ مَا يَخْتَزِنُهُ قَلْبُهُ مِنْ مَعْلُومَتِ. Quand une personne ment, elle dit le contraire, regardez, elle dit le contraire de ce qu'il y a comme information dans son cœur. Subhanallah. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit. يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Quand il parle des munafiqin, surat al-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, astaghfirullah, surat al-Fath, il dit, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ. Ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Ajib, hein? فَاللِّسَانُ هُنَا يَتَحَرَّكَ بِأَمْرِ مِنَ النَّاسِيَ فِي الدِّمَاءِ. La langue parle avec l'ordre qui vient de là, du toupet. وَلِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ هَذِهِ النَّاسِيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de nasiya, il dit نَاسِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. C'est-à-dire nasiya, c'est l'organe qui va ordonner le mensonge. Ok, je vais passer vite, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِينَ ذُكَرَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le siège de Khaybar. Le siège de Khaybar parce qu'ils avaient, rompu le pacte avec lui et qu'ils avaient laissé les gens rentrer à Médine pour l'attaquer. Et ils sont allés faire une alliance avec le mouchriquine pour attaquer les musulmans. Alors qu'il y avait un pacte entre les musulmans, donc le prophète est allé les sièger. Et quand ils faisaient le siège, qu'est-ce qui se passait? Ils ne pensaient jamais sortir. Pourquoi? C'était des juifs. C'est-à-dire qu'ils étaient protégés en forteresse, ils avaient une suffisance, ils avaient de l'agriculture à l'intérieur, ils avaient de l'eau, pouvaient tenir des années comme ça. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ. Allah subhanahu wa ta'ala est revenu d'où ils ne s'attendaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Il a jeté l'effroi dans leur cœur. D'un coup, ils ont eu peur. Il n'y a rien qui s'est passé. Hein. Il reste le prophète et les compagnons qui sont autour. Même les compagnons, ils ne pensaient pas. Même vous, ne pensez pas qu'ils allaient sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, d'où est-ce qu'il est venu? Il a jeté l'effroi dans leur cœur. C'est pour ça qu'on vous dit, vous savez, quand vous êtes avec Allah, demandez à Allah. Et si Allah il est avec vous, personne ne peut être contre vous. Ni administration, ni personne, ni juge, ni inspecteur, ni rien. Tous ceux qui parlent là, tout ça. Si on est réellement avec Allah, لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَا.
C'est comme ça que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent vous faire du mal que adha. Vous savez ce que c'est l'adha? C'est les mauvaises paroles. Ils peuvent vous insulter, ils peuvent dédire des choses. Mais ils ne peuvent pas vous toucher. Pourquoi? Ils vous craignent plus qu'ils craignent Allah. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et subhanallah, il nous dit, quand est-ce que nous on comprendra? Rejaïd au Coran. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez, le prophète il a dit il y a 14 siècles, il dit il y a une partie de chair dans le corps. Si elle est saine, tout le corps est sain. Si elle est mauvaise, tout le corps est mauvais. Ton cœur. Ok. Alors, on vous dit que si on veut soigner des gens qui sont malades du cœur, il faut stabiliser leur cœur. Comment? Eh bien, en les apaisant. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a fait une expérience, on les a apaisés par la musique. Et si on fait l'expérience du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, elle avait dit que l'Allah est ma'in al-qulub. Et je vous garantis, les frères, des fois vous rentrez dans des maisons, ça m'arrive souvent, vous savez tout de suite si la maison est apaisée ou pas. Vous savez tout de suite si la maison, il y a beaucoup de lectures du Coran dedans. Vous sentez cet apaisement. Et il y a des mosquées comme ça. Vous rentrez dans la mosquée, vous sentez un apaisement. Et vous rentrez dans certaines mosquées, vous sentez qu'il y a shaitan dedans. Vous sentez qu'il y a shaitan dedans. Ah, dans la mosquée, bien sûr. Et sinon, quand tu fais la prière, comment il peut te détourner? Bien sûr, dans la mosquée. Shaitan, il est où? Et quand il y a certaines mosquées, tu ressens l'apaisement. Pourquoi? La sincérité des gens qui sont là. Et dans certaines mosquées, tu as des gens qui sont là, mais il y a un problème. Et ça, c'est ton cœur. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le cœur? Quand il dit Istafti qalbak, wa naftak al-nas wa aftawk. Istafti qalbak. Demande la fatwa à ton cœur. Tu veux faire quelque chose? Demande à ton cœur. Et ton cœur, il sait. Hein? Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu le sais. Quand tu fais quelque chose de bien, tu le sais. Ça, c'est clair. Et bon, nous, on fait semblant, les adultes. Mais les enfants, ça. L'enfant, quand il fait une bêtise, il sait qu'il a fait une bêtise. Hein? Il se cache, il vient, il t'halla comme ça. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Viens là. Qu'est-ce que t'as fait? C'est incroyable. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit la même chose. Quand tu veux savoir si c'est halal, haram, tout ça, stafti qalbak, demande à ton cœur. Ok? Nataij al-Bahth, on a quatre conclusions. Je finis avec ça, les frères et les sœurs. Barakallahu fikoum, excusez-moi parce que j'ai tardé. Premièrement, القلب ليس مجرد مضخة للدم وهو يقوم بتخزين المعلومات وبضخ الأوامر لجميع أجزاء الجسد بل ويشرف على عمل الدماغ أي أن القلب يهيمن على الجسد. Premièrement, le cœur ce n'est pas seulement une pompe. OK? Il emmagasine les informations et il donne des informations, il envoie des informations à tout le corps. Donc, c'est la pièce maîtresse dans le cœur. للقلب دور أساسي في الإدراك والفهم والفقه. Le cœur, il a un rôle primordial, essentiel dans la compréhension et dans la sensation des émotions. وقد أشار القرآن لذلك في حديثه عن الكفار والملحدين لهم قلوب لا يفقهون بها. Le Coran, il nous a parlé déjà de ça il y a 14 siècles en arrière en nous disant qu'ils ont des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas. وهذا سبق القرآن مهم في الطب. C'est quelque chose qui est très important et qu'on découvre seulement aujourd'hui. Troisième chose, le cœur له دور في عملية الخوف والتعلم والحب والكره وكثير من الأحاسيس والمشاعر وجميع هذه الحقائق أشار إليها القرآن في آياته الكريمة. Le cœur, il a un rôle primordial dans quoi? Dans la peur, la crainte, dans ta'allum, dans l'application ou l'apprentissage, dans apprendre la science ou le savoir, dans l'amour, dans la haine et beaucoup beaucoup de sensations et d'émotions. Et ça, le Coran, il en a parlé, mais alors abondamment. On n'a pas le temps d'étudier tout ce que le Coran il a essayé, mais si vous voulez, dans une autre séance, Inch'Allah, on prendra quelques ayats et on étudiera juste ces ayats. Les médecins en Occident aujourd'hui, les médecins en Tibba al-Gharb, ولذلك نتمنى من علمائنا المسلمين أن يقوموا بمثل هذه التجارب ليثبتوا أهمية القلب في حياتنا وآخرتنا وربما يتوصلون إلى علاج الكثير من الأمراض المستعصية بالاعتماد على سلاح القلب الفاسد على إصلاح القلب الفاسد الله أعلم. Il dit, aujourd'hui les scientifiques, surtout en Occident, ils ne sont pas arrivés à toutes ces conclusions. C'est des choses qui sont primitives. Hein. On est au début de la recherche. Ok? Pourquoi? Parce que c'est difficile et parce qu'on n'a pas assez d'expérience et on n'a pas assez de recul. Et c'est pour ça qu'on souhaite, c'est ce qu'elle dit, c'est le Bahad qui dit, il dit nous souhaitons que certains savants musulmans s'attellent à la tâche
et qui nous démontre toutes ces choses-là, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle sur le Coran. Pourquoi nous, on ne va pas dans la profondeur du Coran et on va donner à gens, aux non-musulmans, à tous les peuples qui nous entourent, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris sur le Coran. Subhanallah. Et d'ailleurs, vous savez, quand on nous dit « Ouais, l'islam est missionnaire ». Non, monsieur, je ne suis pas missionnaire. Mais quand j'aime quelque chose, j'aime bien la partager. Et parce que je te veux du bien. Après, moi je te montre, si tu ne veux pas, libre à toi. Mais fais, tu verras. Essaye. Vous savez, maintenant on fait la méditation, on essaye le yoga, on essaye... On détourne. Voilà, on détourne. Elle a dit que l'Allah est ma inno l'kulub. Adhkurullah, Allah subhanahu wa ta'ala yakunu ma'ak. Ou man kana Allahu ma'a, faman alayh. Ou man kana Allahu alayh, faman ma'a. Si Allah est avec toi, qui pourra être contre toi? Mais si Allah est contre toi, qui pourra être avec toi? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu yaghfir lakum innahu al-ghafurur rahim. Merci à vous, barakallahu fikum. Shukran.